L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Créée en 2009, à l'époque de la percée de l'énergie solaire en France, l'entreprise Voltec Solar emploie 100 personnes dans la vallée de la Bruche pour la fabrication de panneaux photovoltaïques. Voltec Solar appartient à la holding Strub, qui est une société familiale qui détient aussi l'entreprise Alzapan, un fabricant de meubles. Voltec Solar produit chaque année l'équivalent de 500 000 modules photovoltaïques, ce qui représente à peu près 20% de ce qui est installé en France tous les ans. Et donc notre spécificité, c'est qu'on s'est vraiment engagé dans la partie environnementale pour baisser le plus possible notre empreinte environnementale, notre bilan carbone. Le marché du panneau solaire est en pleine croissance et on n'est qu'au début, donc on s'attend à ce que le marché soit encore multiplié par 5 dans les années qui viennent. Notre capacité de production a été multipliée par 10 en 10 ans. Donc on sent vraiment un marché en très forte croissance. On s'attend à ce que le marché soit encore multiplié par 5 dans les 10 ans qui viennent. Il y a 10 ans, il y avait 14 sociétés comme la nôtre. Aujourd'hui, ce nombre s'est fortement réduit. Hein. On peut les compter sur les doigts de la main, le nombre de fabricants qui sont encore en France. Un panneau photovoltaïque, il est composé d'une plaque de verre, d'une feuille qu'on appelle EVA, des capteurs solaires bien sûr, et d'une deuxième feuille EVA et un encapsulant à l'arrière qu'on appelle la backsheet, c'est lui qui va protéger le panneau à l'arrière. En termes de puissance, les panneaux n'arrêtent pas d'évoluer. Le panneau, on avait commencé avec du 220 watts crête. Aujourd'hui, on arrive à des panneaux de 400 watts crête, même voire plus.